CEST, une nouvelle aventure télévisuelle pour Juju Fitoukats. Après s'être illustrée dans Fort Boyard sur France 2 ou dans Les Traîtres sur M6, la compagne de Thibaut InShape a l'opportunité d'animer la deuxième partie de La France a un incroyable talent. Ce mercredi 6 septembre 2023, elle s'est d'ailleurs saisie de ses réseaux sociaux pour se livrer sur cette grande première qui l'enchante. Mais qui l'angoisse tout autant. Juju Fitoukats aime relever d'innombrables challenges. Si les réseaux sociaux et l'univers du fitness sont son dada, la jeune femme s'illustre avec brio par sa polyvalence. Cet été, la principale intéressée a multiplié les apparitions remarquées à la télévision. Impossible de ne pas évoquer sa récente participation à Fort Boyard aux côtés de son fiancé Thibaut InShape. Dans la foulée, l'influenceuse a également rejoint le casting de la saison 2 des Traîtres sur M6. En tout cas, ses admirateurs pourront très prochainement la retrouver aux commandes de l'AFT de La France a un incroyable talent, toujours sur la 6ème chaîne. Ne cachant rien à ses fidèles abonnés, la future mariée a donc tout naturellement livré ses ressentis sur Instagram. Arborant une jolie coupe ondulée en plus d'une élégante frange, la jeune femme a aussi misé sur une sublime combinaison bleu ciel brillante. Avec son maquillage des plus légers, elle affiche un minois parfait. J'ai fait ma rentrée dans le monde des grands pour animer la seconde partie de Soirée de La France a un incroyable talent et je trouve important de vous partager ce que je ressens, a écrit la star du web tout en dévoilant les coulisses de l'émission. L'occasion pour les internautes de la découvrir aux côtés de Karine Le Marchand ou encore d'Éric Antoine, deux figures emblématiques du show. Comblée à tous les niveaux, certes, mais elle semble aussi s'être mis une certaine pression. Ce mélange déroutant entre tout un tas de sentiments, a précisé Juju Fitoukats, qui remplace un présentateur qui a fait ses adieux à la franchise après 3 saisons. Et de compléter, une semaine de tournage vient de s'écouler durant laquelle j'étais à la fois excité et très stressé. Stressé de faire mes vrais premiers pas en tant qu'animatrice à la télé et de succéder à des animateurs que les spectateurs ont adorés. À en croire ses rares confidences, cette dernière a réalisé l'un de ses plus grands rêves. Des années que j'ai envie de découvrir ce métier et j'ai enfin pu y goûter mais vous n'imaginez pas comme j'avais peur de tout foirer, a ajouté en toute sincérité Juju Fitoukats en vantant tous les mérites de ses nouveaux collègues. J'ai eu la chance d'être vraiment bien entouré. L'équipe de deuxième partie de soirée est totalement barrée mais ils m'ont tellement bien intégré. Point passionnée et ambitieuse, l'ex-candidate gagnante des Traîtres donnera toujours le meilleur d'elle-même. Elle reste ainsi fidèle à sa philosophie de vie, je n'ai pas la prétention d'être la meilleure mais ce qui est sûr, c'est que j'ai donné le meilleur, pour vous comme pour moi. Et si vous saviez comme j'ai hâte que vous puissiez découvrir tout ça les chats. Comme Juju Fitoukats l'a annoncé, les téléspectateurs en prendront plein la vue, le tournage des auditions est terminé mais l'aventure ne fait que commencer. On n'a pas fini de tourner. Bref, merci pour la bienveillance, merci pour la confiance.